Bonjour à tous, c'est Lescraft sans Vol et on se retrouve pour débuter un let's play sur Minecraft, donc sans but particulier. Donc qui dit let's play dit nouveau monde. Donc là j'en ai aucun, je touche, mais pour ça, on va l'appeler LP Lescraft. Ouais. Ensuite on. Pas de cheat, pas de bonus chest, le type du monde normal, je joue en anglais, c'est plus simple avec le texture pack Faithful 32 puisque c'est plus joli. Et pour la seed, j'ai écrit les crafts en volt avec les anciens claviers de téléphone. Donc pour L ça fait 5, pour E ça fait 3, etc. Donc ça fait 3, 5, 3, 3, 2, 7, 2, 3. 8, 100, 8. Et on est paré pour créer le nouveau monde. Attention, c'est parti. Génération de monde tout en éternel. Et je déteste les biomes enneigés. J'ai horreur de ça. Bon, une vache déjà qui me fait suer. Alors, tu vois ce monde, on se retrouve directement au haut d'un arbre, ils ont profité pour commencer à le détruire. Alors, je fais pas un let's play pour avoir des vues ou quoi que ce soit, je fais un let's play pour m'éclater moi-même, parce que j'aime beaucoup faire des vidéos, c'est pour ça que j'en fais de plus en plus ces derniers temps. C'est ça qui me plaît. Et j'aurai pas de timing comme pour les vidéos Redstone. Les vidéos Redstone, j'essaie de tenir une vidéo par semaine, souvent le mercredi parce que j'ai le temps de tourner. Mais là, c'est quand j'aurai le temps de tourner sur cette let's play, je ferai un peu d'aventure. Et quand j'aurai pas le temps, et ben j'aurai pas le temps et je tournerai rien parce que je suis quand même au lycée à côté. Et donc quand on est au lycée, on n'a pas tout ce qu'on veut à côté. Donc je tournerai quand j'en aurais envie, et je suis là pour m'éclater, et pas pour je suis là pour moi aussi hein, en même temps, mais je suis pas là pour gagner des vues, etc, et devenir waouh, machin, je sens abonné, etc, voilà. C'est plaisir quand même d'avoir ce nombre d'abonnés, mais bon, au bout d'un moment, c'est voilà quoi. On fait du YouTube, hein. On fait pas du YouTube pour devenir populaire. Enfin, il y a un moment où il faut s'arrêter quoi. Voilà, donc je vais me stuffer par contre, parce que je sais que sur tous les let's play, la partie la plus chiante, c'est la partie du début. Donc je vais me trouver quelques réserves, commencer à miner, me faire de la bouffe, et puis la vache. Et je vous rejoins quand tout ça c'est à peu près, parce que sinon vous allez vous emmerder, j'ai pas envie de passer la vidéo directement. Voilà, à tout de suite. Oh yeah, du fer à la deuxième minute de jeu. Tout. Eh, il a pas mal, hein. Ouais, quand même. C'est un gros filon, quoi. Filon de fer. Et voilà, je suis enfin arrivé au fond de Minecraft. Je suis entre presque, j'ai passé la couche 16, donc là je descends là et je suis à la couche 10, donc je viens d'arriver et là je vais commencer à creuser à la recherche de minerais précieux, parce que je me mets direct, parce que tout ce qui est bois, etc, on a assez, on sent ça pousse au-dessus, là le jour et la nuit ça tourne, donc dès que je trouve 10 diamants, je vous rejoins à Redstone, mais j'ai pas encore la pioche en fer adapté, donc je vais faire une pioche en fer. Je vais miner quelques trucs et je vous rejoins dès que j'ai un peu de diamants. Allez, ciao tout le monde. Et voilà, premier minerai que nous allons effleurer de cette nouvelle pioche en fer, toute neuve, que je viens de crafter avec les deux fours là. C'est de la redstone. Il n'y en avait que deux. Ah non, il y a une troisième là. Quatrième. Il y a aussi de la redstone, il n'y en a pas souvent qu'une seule. Dans Minecraft. Un homme qui ne trouve pas de diamants dans les cavernes doit faire du ménage optimisé.
C'est chiant comme le manga. Le minage optimisé, pour résumer, c'est miné, 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 non, rien trouvé. Allez, c'est parti. Alors, à défaut d'avoir trouvé du diamant, j'ai un peu d'or. Que ça fait toujours plaisir à trouver. Pour me faire une horloge. Je vais faire des trucs de l'or, rien. Et voilà. Après avoir fait trois rangées de minage optimisé, parce que trois, où il n'y avait rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien dedans. J'arrive devant ce grand lac de lave et en mignon sur le côté, qu'est-ce que j'ai trouvé? Du diamant! Alors, qui dit diamant dit lave. Et là, on a un diamant solitaire. Et on va le planquer avec du gravier. Donc, comme ça, il pourra pas se barrer. Je vais regarder un truc sur le lave. Parce que les fesses, il y a beaucoup de bâtards. Diamant, si vous avez de la lave en dessous. Ça, là. Hop. Et un diamant, il y a un petit archivement là. Diamond. Bon bah voilà, j'ai eu un diamant. Je suis content. Ah, je vais mettre là. Je vais mettre là comme ça. Quelques diamants, diamant. J'ai un diamant, j'ai un diamant. Alors là, je suis actuellement dans le mode de la personne qui va se mettre à rager d'ici peu. J'étais en train de miner du fer et il y a du diamant. Seulement, le seul problème, c'est que j'ai commencé à faire mon minage optimisé de ce côté et il n'y avait absolument rien dans le caverne parce que le charbon, c'est rien, rien, rien. Et je me dis, je vais partir de l'autre côté, je commence à miner du fer, du charbon. Et du diamant. Je vais rager. Non, est-ce qu'il y a de la lave aux alentours? J'avais tout à fait avant une fois. Encore du feu. Comment rager une fois? Chercher du diamant. Vas-y. Voilà, je dis que c'est bon. 1, 2, 3, 4 diamants, c'est tout. 2, enfin un autre. Alors, 4 diamants. Combien là? Non, j'ai 5. Avec 5, je peux me faire une pioche. Il me reste 2 et la table d'enchant. Ouais. Je pense que je vais plutôt faire une table d'enchant parce que là, je suis bientôt level 30. Alors, je viens de sortir de cette mine infernale là. C'était juste à côté du spawn, clairement. Et j'ai commencé à établir les bases de ma petite maison vestimentaire, ouais, vestimentaire, rudimentaire. Ah, un coup de hache, tu vas mourir là, voilà, espèce de salade pété, voilà. Même pas filet de cuir. Voilà. Alors, je vais établir un corte mini du garage, j'ai dû quitter un coton. Alors, je vais faire une mini base. Je vais l'appeler cabane de spawn, donc je vais marquer les coordonnées dessus. Et en fait, au spawn, je pense que je vais tout de suite bouger parce que je déteste les biomes neige. Donc très 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 rapidement, je vais dégager de cet environnement de merde. Et je vais aller me poser dans des plaines, une forêt, un truc joli quoi. Parce que ça, qu'est-ce que c'est moche, les biomes neige. Mettez dans les commentaires si vous aimez les biomes neige, comme ça je vous tue. Parce que moi j'ai horreur de ça, donc je vais faire une petite cabane, finir les préparatifs, et je vais trouver un endroit pour la maison. Je pense que je vais aller par là-bas, parce qu'après là c'est une forêt, je pense que c'est la forêt, c'est fini, il faut casser les arbres, etc. Et voilà. Ouais, la glace. Allez, ciao. Alors, me voilà à la cabane du spawn, donc une cabane extrêmement rudimentaire, qui servira en cas de mort à pouvoir se restuffer rapidement et repartir vers l'endroit où on a pas nos choses, tout l'inventaire. Donc pour le moment, on va lui offrir une porte, une double porte,
parce qu'on est pété de thunes et qu'on a la classe. Hop. Tac. Et tac. Voilà. Merci les portes. Et ensuite, dans le coffre, on va laisser de quoi se faire. Une pioche en fer. Une hache en fer. Une pelle en fer. Et une épée en fer. Donc on laisse une pioche, pelle, hache, et ici une épée. Plus H35, je peux le faire. Il y a un plastron en fer au cas où. Voilà. Plus des blocs. Et tiens, on va mettre discipline avec 7-8. Hop, on va en mettre 10 ici. Autant de panneaux, chez le monde. Et tiens, j'ai un steak sur cuir super rapidement. Je pense que c'est le four. Ah ouais, je pense que c'est le stylé. Alors, on s'en fout, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on va laisser dans ce coffre là? Et comme ça, si on meurt, on vient ici pour récupérer notre stuff, son objet, on vient au spawn forcément. Et là, je vais. Ah, ça y est, c'est fini. Donc, je vais partir pour trouver l'endroit idéal pour commencer la maison. Allez, ciao ciao. Alors, on se retrouve à l'endroit où je vais construire vraiment la maison cette fois. Donc, ce sera juste là sur la petite plaine qui est là. Je vais dégager les arbres rapidement. Donc, on aura un océan ici et le spawn est là-bas. Donc, il suffit juste de longer la côte qui est là et le spawn est juste là-bas. Ah là, là il y a une espèce de petite presqu'île. Et il est juste là. Normalement, ça charge un tout petit peu. Je crois qu'il y a 3 ou 4 chunks à charger. On va pas tomber sur le spawn, je vais essayer de me rapprocher. Et c'est un magnifique fail. Mais c'est pas grave, on peut toujours se rattraper. Hop là, hop là, hop là. Wouah! Oh, oh, oh. Voilà, là il y a la ville. Charge, 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 charge. Char. Allez, charge. Vas-y wesh. Je me fais chier. Je me fais chier. Non, la sugar cane ça. Il va falloir des tonnes sur le fond de table d'enchant. Parce que la sugar cane ça va, le diamant ça va, l'obsidienne ça va venir. Mais alors, le plus chiant, c'est le cuir. Il faut choper du cuir de vache. Mais les vaches elles ne droppent pas. Hop, et ensuite, je prends le champ. Pas grave. J'en mets partout. La canne ici. Voilà, c'est bon, on va le planter dans les gens. Il y en a qui sont. Voilà. Alors, je vais en planter. Juste sur le bord des falaises. Je vais juste atteindre ça pour faire du verre. C'est génial. Juste ici. Là. Là, il y a un bel espace plat, une grande planète. Je vais raser tous les arbres qui sont à ce niveau. M'arrêter là. Là, voilà, une fontaine. Là, il y a un trou que je vais boucher, je vois. Je vais m'arrêter là aussi. Et après, ça descend. Donc, je dégage tout ça, je chope du bois, et on se retrouve après. Bye bye. Et donc, voilà, donc, la plaine a été ratiboisée. J'ai enlevé tout le bois partout où je voulais. Et donc au prochain épisode, on va pouvoir commencer la construction de la maison. En fait, je pense que je vais vraiment boucher ce trou, parce que c'est vraiment moche. Et on va pouvoir commencer la maison au prochain épisode. Parce que là, c'est déjà 20 minutes que je tourne, donc je vais changer un peu. Je vais dormir surtout. Donc, demain, je fais la maison. Moi tranquille, puis je sais pas quand vous aurez le deuxième épisode, quand enfin, YouTube acceptera de la mettre en ligne, parce que ça prend du temps et du temps et du temps. Je vais mettre une vidéo là, qui m'affiche 1600 minutes restantes, et ben, la canne à sucre. Allez, pour la fin du premier épisode, on va tuer une vache. C'est pas... Et cours dans le trou. Entre. Ah voilà. Et elle nous a donné du cuir. Et on est content. 5 diamants. Aussi du cuir. 3 cuirs. Beaucoup de steak.
beaucoup de bois aussi. Là, c'est à force de tout écraser, je fais ouais, voilà. Presque 3 stacks de bois, 4 stacks de bois peut-être. Allez, ciao tout le monde et rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao! We'll be right back.